Bonjour à tous, merci d'être là, alors que c'est le dernier jour des soldes. Avant d'entamer le débat sur comment parler de la religion, je vous propose d'écouter un texte qui va être lu par l'excellentissime comédien Laurent Capelluto, un texte du curé Mélier. Laurent Capelluto. Merci. Pour que un seul être particulier, tout-puissant et infiniment sage et éclairé puisse produire tous les effets de la nature et qu'il puisse impulser et régler le mouvement de toutes les parties de la matière dans quelque corps et dans quelque endroit de quelque corps que ce puisse être, il faut nécessairement qu'il soit tout entier dans chaque atome de matière, c'est-à-dire tout entier dans chacune des plus petites parties de la matière. Et c'est en quelque façon comme si on disait qu'il y aurait autant de Dieu que d'atomes de matière, ou que chaque atome de matière serait Dieu ou contiendrait en soi toute la nature et toute la substance d'un Dieu. Et comme tous ces atomes qui sont les plus petites parties de la matière sont infinis en nombre, c'est comme si on disait encore qu'il y aurait des nombres infinis de Dieu. Tous lesquels Dieu, néanmoins, ne ferait et ne serait tous ensemble qu'un seul et même Dieu. Lesquels, sans avoir aucune étendue ni aucune partie en lui-même, ne laisseraient pas que d'être infiniment étendu et souverainement tout-puissant partout. Qu'y a-t-il de plus ridicule et de plus absurde que toutes ces imaginations-là? Si un tel être tout-puissant était, comme on le suppose, tout entier dans tous les corps et tout entier dans chaque partie des corps, ce ne pourrait être sans division de lui-même. Car comment pourrait-il être tout entier dans tant de différents corps si distingués et si éloignés les uns des autres sans division? Ce ne pourrait être avec division de lui-même, car il est assez évident que rien ne peut être divisé de soi-même et demeurer toujours dans son entier. Il faut vouloir fermer les yeux à toutes les lumières de la raison pour pouvoir se laisser persuader par de telles choses. Mais comment est-ce encore qu'une pénétration si générale et si intime, et qu'une si souveraine force et puissance d'agir ne se ferait point sentir, ni apercevoir nulle part? Il faudrait assurément que la substance de cet être qui pénétrerait ainsi tous les autres fût bien fine, bien déliée, bien subtile, puisqu'elle se glisserait et s'insinuerait si imperceptiblement et si insensiblement partout, sans tenir aucune place nulle part et sans se faire sentir ni apercevoir en aucun endroit. Il est visible, pour peu d'attention qu'on y fasse, que toutes ces choses-là ne sont que des imaginations creuses et des chimères qui surpassent non seulement toute intelligence, mais aussi toute possibilité. Si c'est un être tout-puissant, infiniment sage et éclairé qui forme et qui dirige dans nous-mêmes et dans tous les autres êtres tous les mouvements internes et externes qui se font dans les corps et dans toute la nature, comment peut-il y avoir dans nous et dans tous les autres êtres aucun mouvement qui soit tant soit peu déréglé et irrégulier? Or, il est constant et évident qu'il se fait tous les jours dans nous et dans toute la nature mille et mille sortes de mouvements déréglés et irréguliers qui causent une infinité de maux partout, dont on ne peut dire qu'ils soient formés ni qu'ils soient dirigés par un être tout-puissant, infiniment sage et éclairé. Si d'un autre côté on dit qu'un seul premier moteur ne suffirait véritablement pas pour remuer ou imprimer le mouvement à toute l'étendue de la matière qui est infinie et sans borne, mais qu'il y aurait plusieurs premiers moteurs qui leur donneraient leur mouvement, et que ce serait même de là, principalement, que viendraient toutes les contrariétés, toutes les oppositions et toutes les antipathies naturelles ou casuelles qui se voient entre plusieurs espèces de choses tant animées qu'inanimées. Je ne nierai néanmoins toujours qu'une telle supposition puisse subsister, parce qu'il est inutile de recourir à la pluralité et à la contrariété des premiers moteurs pour expliquer cette opposition et cette antipathie qui se trouve naturellement entre plusieurs corps. Il est donc bien plus convenable et plus sûr d'attribuer à la matière même la force qu'elle a de se mouvoir,
que de s'embarrasser vainement et sans nécessité d'entendre de difficultés insurmontables pour chercher hors d'elle-même un principe faux de son mouvement. De l'aveu même de nos déicoles, ce sont ce seul prétendu premier moteur qu'ils appellent Dieu et auquel ils attribuent une puissance et une connaissance infinie, est un être qui, suivant leur doctrine, est non seulement sans corps et sans forme, et sans étendue aucune, mais est encore entièrement immobile, immuable dans sa nature, immuable en lui-même, immuable en ses pensées, immuable dans sa connaissance, immuable dans ses desseins et immuable dans ses volontés, en sorte qu'il ne peut nullement être sujet à aucun changement et à aucune vicissitude de temps. Cela supposé, il est clair et évident qu'un tel être, quand il serait véritablement, ne pourrait nullement remuer la matière. Je le prouve ainsi. Un être qui est entièrement immuable en lui-même, mais qui est même de sa nature, tout à fait immuable, ne peut rien mouvoir hors de soi, car comment pourrait-il remuer quelque chose lorsqu'il ne pourrait se remuer lui-même ? Il n'est nullement possible de concevoir qu'un être qui demeure immuable et qui est même de sa nature immuable puisse jamais mouvoir aucune chose. Non seulement il est inutile à nos déicoles de vouloir attribuer le principe du mouvement de la matière à la prétendue toute-puissance d'un Dieu, puisque quand il saurait, il ne pourrait lui-même se mouvoir puisqu'il est immuable de sa nature, mais pour cette même raison, il est encore tout à fait inutile à eux de le prier et de l'adorer. Et il est inutile à eux de lui offrir des sacrifices comme ils font afin d'obtenir de lui par ce moyen quelque grâce ou quelque faveur que ce puisse être dont ils auraient besoin. Car puisqu'il est immuable dans sa nature, comme ils le prétendent, et que toutes ses pensées, que tous ses désirs, que toutes ses volontés sont prises de toute éternité, il est sûr qu'il ne changera pas de pensée et de volonté à leur égard, pour toutes les prières qu'il saurait lui faire, ni pour toutes les adorations qu'il pourrait lui rendre, non plus que pour tous les sacrifices qu'il pourrait lui offrir. Rien ne pourrait le fléchir, ni le faire pencher plutôt d'un côté que de l'autre. Et ainsi, soit que l'on prie ou que l'on ne prie pas un tel être, soit qu'on l'adore ou qu'on ne l'adore pas, soit qu'on lui offre des sacrifices ou qu'on ne lui offre pas, il ne ferait jamais, ni en bien ni en mal, que ce que de toute éternité il aurait résolu de faire. Merci mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, merci d'être là et merci d'être là en nombre pour ce qui est déjà le dernier débat de notre grand colloque La Religion dans la Cité. Rassurez-vous, il y aura encore d'autres choses très intéressantes à venir, mais c'est bel et bien le dernier débat. Et la question de ce dernier débat, elle est au centre de toutes les interrogations actuelles, c'est comment parler de la religion. Alors Myriam Leroy, pour vider ce problème, ou en tout cas nous donner à penser sur cette question, nous avons trois intervenants de qualité. Oui, et je vais me permettre de faire des grandes ellipses dans leur CV pour vous les présenter, parce que sinon, demain, vous y êtes encore. Je vous présente Marie-Claire Faublette, qui est avocate et anthropologue, professeure d'université, qui a co-coordonné les dernières assises de l'interculturalité qui sondaient le vivre ensemble. Elle s'est beaucoup intéressée aux musulmans en Europe et plus largement à la diversité religieuse en Europe. Il y a aussi à côté François De Smet, philosophe, directeur de MIRIA, le Centre fédéral migration, qui est chargé d'analyser et d'informer sur les migrations, de défendre les droits des étrangers et de lutter contre la traite et le trafic des êtres humains. Et lui aussi s'est beaucoup intéressé à la religion et à la laïcité dans un contexte migratoire. Son livre « La marche des ombres » a reçu le prix du livre politique 2015. Et enfin, il y a Guy Archer, philosophe, professeur émérite de l'ULB, qui a écrit, entre autres choses, sur l'implantation de l'islam en Europe, sur la laïcité, sur les droits de l'homme. Et c'est aussi et surtout un observateur acharné de l'actualité. Voilà donc pour les présentations. Alors, une première question pour tous les trois. Est-ce qu'on a remarqué que le discours religieux dans les médias, dans la sphère politique ou même en privé, avait changé depuis le 7 janvier de l'année dernière? Est-ce qu'on parle de religion différemment aujourd'hui qu'il y a un an? Guy Archer, pour commencer. C'est allumé. C'est évidemment difficile à mesurer en général, mais enfin, je peux quand même avancer en disant que oui. Je pense qu'en particulier, le discours qui est tenu sur l'islam après les attentats djihadistes est un discours qui a évolué, et il a évolué dans le sens, malheureusement, d'une méfiance de la population qui ne fait pas toujours le détail et qu'il faut rassurer de la manière qu'on peut. Et je pense surtout qu'après les attentats de janvier,
il y a une nécessité de clarifier le discours que nous tenons sur la religion, nous, je veux dire, tous ceux qui parlent un peu en public et qui ont donc quelque chose à communiquer, parce que je pense qu'il est totalement urgent maintenant de cesser les ambiguïtés, de savoir les valeurs que nous voulons défendre, et je pense que cette fois-ci, nous sommes à un point charnière sans lequel il me semble que les valeurs européennes vont aller à volo. Qu'est-ce que vous entendez par cesser les ambiguïtés ? Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous entendez par cesser les ambiguïtés ? Alors, cesser les ambiguïtés, ça veut dire ceci, c'est que il m'a semblé longtemps que si nous devons vivre ensemble dans une société comme la nôtre, qui est une société de liberté de conscience, c'est-à-dire dans laquelle les gens pensent ce qu'ils veulent, et donc vous avez nécessairement une diversité, puisque l'unité n'est pas imposée par en haut, au fond, on leur demandait au minimum de respecter les valeurs des droits de l'homme et de la démocratie, mais au sens très 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 large du terme. Et je pense que c'est une conception libérale, consiste à dire à partir du moment où vous exercez votre liberté et que vous ne portez pas directement du tort à autrui, bon, c'est OK. À ce moment-là, d'ailleurs, vous pouvez porter une burqa et dire qu'en portant la burqa, ou une femme peut dire en portant la burqa, qu'après tout, elle ne fait de tort à personne d'autre dans l'immédiat, ce qui est vrai. Maintenant, je pense que quand on voit ce à quoi nous sommes confrontés, nous devons insister sur un autre élément qui n'est pas simplement un élément de droit, mais un élément d'engagement démocratique. Et il me semble que de ce point de vue-là, les exigences sont plus fortes. Nous n'avons pas assez réfléchi au fait que si nos sociétés démocratiques fonctionnent aujourd'hui, c'est parce que le rapport à la religion pendant de nombreuses années a été un rapport qui est devenu beaucoup plus pacifié, parce que la religion est devenue plus discrète. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas croire et que ce n'est pas respectable. Elle est devenue plus discrète. Les gens ne se reconnaissent pas directement comme faisant partie de communautés religieuses, ou ne se reconnaissaient pas directement, et donc il y avait un espace pour construire une citoyenneté, des droits, l'égalité de l'homme et de la femme, la présence des athées, les droits des homosexuels, tous ces progrès-là qui font que, quelle que soit la religion à laquelle vous apparteniez, quelque part vous acceptiez quelque part cette société de libération qui est en danger à partir du moment où on accepte des discours religieux qui remettent cela en cause, comme c'était le cas auparavant. Parce que ce qu'on retrouve en général sur les femmes, sur les homosexuels, sur l'athéisme, sur la science biologique, etc., etc., on a trouvé ça au 19e siècle dans nos pays, on l'a trouvé aux États-Unis avec les fondamentalistes, etc., et les démocraties se construisent contre cela, et je pense que, étant donné les dérives d'un discours ici salafiste, qui est un discours qui démonise la modernité, l'égalité de l'homme et de la femme, qui considère la laïcité comme une affaire de mécréants, je pense qu'après et tout ça, pour tout le monde, et d'abord pour les musulmans qui risquent d'être les otages de cela, il y a la nécessité de clarifier les valeurs. Marie-Claire Faublet, ce discours médiatique ou politique sur la religion en général, mais et l'islam en particulier en Europe, est-ce que vous l'avez vu changer récemment ? Mais je crois que si on écoute les personnes qu'on nomme musulmanes, elles vous diront, nous revivons ce que nous avons vécu après le 9 septembre à New York, tout à coup. L'identité change. Une personne qu'on aurait nommée maghrébine, d'origine du Moyen-Orient, tout à coup, tout le monde devient musulman. Et c'est en fait imposer une interprétation à des personnes qui n'ont pas nécessairement demandé d'être identifiées à un acte politique très clair que tout le monde a trouvé qu'il fallait désapprouver. Mais donc, je crois qu'on revit la même chose en Europe. Quelque chose dont des personnes se souviennent très bien. Depuis 10 ans, nous vivons une dynamique de médiatisation de nos identités qui nous est imposée et qui nous force parfois de nous mettre dans une position de défense. Je crois qu'en se mettant à l'écoute souvent de jeunes, c'est la réponse qu'ils vous donneront. Le 7 janvier, on a déjà vécu cela. François Desmet. Moi, ce qui me frappe, là où il y a un avant et un après 7 janvier ou peut-être même 13 novembre, c'est que je trouve qu'on ne s'est jamais autant interrogé sur ce qu'est vraiment une religion. C'est-à-dire que le rapport entre le public, le privé, les signes admis, ceux qui ne doivent pas l'être, les valeurs, c'est quelque chose avec lequel on vit depuis au fond très longtemps. C'est des débats qui nous accompagnent depuis longtemps. Moi, il me semble que depuis précisément cela, donc ces pancartes « Je suis Charlie », mais qui était aussi décliné en « Je suis juif, je suis musulman, je suis policier », par des tas de gens dans les manifestations qui, en général, n'étaient rien de tout cela.
Et donc, je suis d'accord, il y a une vraie quête identitaire qui ne concerne pas que les musulmans ou les croyants ou les non-croyants et qui vise à interroger, et c'est pour ça que ce week-end tombe aussi très bien pour interroger le phénomène religieux. Au fond, est-ce que tout ce qui arrive est explicable simplement par la religion ? Est-ce que c'est, pour prendre Olivier Roy, est-ce que c'est une islamisation de la radicalité ou une radicalisation de l'islam, le fruit des attentats ? Et ça pousse à nous interroger, je trouve, à se rappeler ce que c'est qu'une religion, et je trouve que c'est de moins en moins clair. À mon avis, il y a toujours une composante horizontale et une composante verticale dans le mouvement religieux. Le vertical, c'est ce qui me définit moi par rapport à une foi métaphysique. Je crois réellement qu'il y a quelque chose, je lui attribue certains, et je crois que ça, je peux avoir une foi fondamentale là-dedans, mais il y a aussi, et c'est pas négligeable, tous les rituels, c'est ce que j'appelle horizontal, et qui prend parfois plus de place. Nous fêtons des fêtes encore religieuses. Moi, je suis athée, mais si je ne vais pas voir ma mère à Noël, je vais avoir de gros problèmes, parce que nous avons gardé en nous une série de rites dans lesquels nous tenons. Il y a des gens qui sont musulmans de culture, qui n'ont plus ce rapport vertical, par exemple, et qui vont, bien sûr, aller à des ruptures du jeûne ou jouer le jeu du ramadan, peut-être simplement en solidarité plutôt qu'en autre chose. Et c'est ça qui est fascinant. Notamment dans ces jeunes qui se radicalisent à toute vitesse et qui du coup poussent les médias et les intellectuels et tout le monde à s'interroger sur ce qu'est vraiment une religion. C'est très frappant de voir que vous avez beaucoup de ces djihadistes qui se radicalisent en fait très très vite, qui n'avaient pas du tout la même foi que celle de leurs parents ou leurs grands-parents, qui n'avaient effectivement rien de salafiste, qui venaient d'un islam beaucoup plus apaisé venant du Maroc et d'ailleurs, et qui arrivent à se radicaliser parfois tout seul ou au contact de quelques personnes, parfois seulement par Internet, et qui sont dans un rapport qui n'emprunte pas seulement à la religion, mais à une forme de nihilisme. Je ne dis pas seulement parce qu'il ne faut pas non plus exonérer les religions de ce qui se passe. Tout discours entier qui vous propose une vision du monde porte évidemment une responsabilité vis-à-vis de la manière dont il est lu. Et donc, comment parler de religion aujourd'hui ? D'une part, en arrivant à montrer que ce n'est que tout cela, que ce n'est pas si simple, que chaque personne peut avoir un rapport différencié à sa religion. Dans les femmes voilées, à mon avis, vous n'en avez pas deux qui portent le voile pour la même raison. Il y a la tradition religieuse, il y a la contrainte, ça existe aussi. Il y a le fait que je vais porter le voile exprès parce qu'on me dit que je ne dois pas le porter, etc., etc. Et comme le dit Guy Archer, sans doute, à travers ces définitions de la religion, ou cette interrogation que nous avons, le vrai défi est de redessiner les limites correctement. Et pour moi, les limites, c'est simple. C'est d'une part qu'on reconnaisse, la métaphore économique que j'ai employée va peut-être paraître choquante, qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a un libre marché des religions et des convictions. C'est ça la démocratie. C'est le cadre qui doit convaincre tout le monde, qui doit autoriser tout le monde à avoir n'importe quel corpus d'idées, les plus folles ou les plus sérieuses, à pouvoir librement en discuter, à pouvoir même en avoir une certaine expression sur l'espace public, à ne pas avoir d'avis et à avoir le droit même de convaincre son voisin. Juste une incise et puis je cède la parole. Il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que j'aime beaucoup, l'arrêt Kokkinakis, que Guy ou Marie-Claire connaissent sûrement. C'est une condamnation au sujet de témoins de Jéhovah grecs. Alors en gros, c'est simple, vous avez témoin de Jéhovah en Grèce, ils font la même chose que ce qu'ils font partout, c'est-à-dire qu'ils sonnent aux portes et ils essaient de convaincre les gens pour leur dire que c'est la bonne nouvelle et qu'en plus, il y a un nombre de places limitées dans la galère et donc il faut s'inscrire assez rapidement. Il y avait une loi en Grèce contre le prosélytisme. Ces gens sont poursuivis, sont condamnés, ils vont jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Grèce en disant « cette loi ne va pas parce que le droit au prosélytisme, c'est-à-dire le droit d'essayer de convaincre quelqu'un de votre point de vue, fait partie de la liberté de conviction » et de religion. Et donc c'est important parce que ça va parfois à contre-courant de ce qu'on entend. Vous avez le droit d'essayer de convaincre quelqu'un que votre religion est la bonne. Où est la limite ? Dans le harcèlement, il ne faut pas harceler les gens non plus. Mais vous avez le droit de ne pas avoir d'avis, vous avez le droit de changer de religion. Il faut reconnaître qu'il y a un libre marché. Parce que du coup, ça éclaire beaucoup de choses. Il y a des niches, il y a des envies de monopole, il y a des envies de beaucoup de choses. Et nous devons, par contre, veiller à ce que ce libre marché puisse continuer. C'est pour ça que moi, ça ne me choque pas qu'on interdise la burqa et le niqab. Parce que contrairement à d'autres signes religieux, voilà quelque chose qui empêche par définition les gens d'avoir une chance de se mélanger et de parler. Et voilà, à mon avis, le débat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je voudrais simplement revenir un peu en arrière par rapport à ce qu'a dit Guy Archer. Donc, il a bien expliqué qu'on était dans un système libéral, donc dans un système, quelque part, de liberté négative. Tout est permis, sauf ce qui est interdit. C'est ça, notre principe. Mais aujourd'hui, pour reprendre son idée, son exigence, allez dire, c'est peut-être trop fort, en tout cas son désir que les religions, quelque part, si je l'ai bien compris, fassent
redisent quelque part, qu'elles s'inscrivent dans notre système de valeurs, dans ce système démocratique qu'on a mis tant de temps et tant de peine à établir. Est-ce que vous êtes également de cet avis? Est-ce qu'elles doivent dire ce qu'elles ne sont pas? Est-ce qu'elles doivent refaire un serment de fidélité à ce que l'on est? Ou est-ce que ça, c'est déjà les suspecter d'être justement quelque chose de pervers par essence? Le premier problème, c'est que vous n'avez pas toujours des interlocuteurs. Dans l'islam et dans certains autres courants religieux, vous n'avez pas une autorité, c'est tout le problème d'ailleurs, qui peut permettre de parler pour tous les croyants et dire que, même si vous avez bien sûr des théologiens qui se permettent de... Bien sûr que les religions ont certainement un rôle, ils sont écoutés par des gens, mais faut jamais... Je pense que les gens peuvent tellement facilement se créer même leur propre religion que vous n'empêcherez pas un certain nombre de dérives de toute manière, de gens qui auraient commis les mêmes dérives meurtrières, peut-être pas les mêmes, mais avec une autre idéologie, n'importe quel texte vécu littéralement. Moi, à mon avis, il faut une auto-limitation, bien sûr, puisque les libertés négatives, c'est cela, mais il faut sans doute une éducation un peu plus forte vis-à-vis de tout le monde sur le contenu des différentes religions et convictions. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes ici, que des tas de gens sont d'accord avec moi, mais je trouve ça incroyable qu'on soit encore à se demander s'il faut une ou deux heures de cours à l'école de philosophie et d'histoire des religions dans un système où chacun a droit à la religion de ses parents ou de son choix, alors qu'évidemment, le problème, c'est que nous sommes des analphabètes religieux, en gros. Nous ne savons pas ce que c'est que le Yom Kippour, les cinq piliers de l'islam, l'évangile, en dehors de notre propre tradition. Et le fait de connaître ça, au lieu d'être seulement dans l'éducation de sa religion, de sa tradition, moi, je crois qu'on arrive à ce même résultat, mais on y arrive par soi-même, et donc d'une manière un peu plus forte que d'un moralisme d'État extérieur qui peut venir. Si j'apprends moi-même à auto-limiter, tiens, ma foi n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres qui existent dans l'histoire. Et donc je dois apprendre où est la place de mon prophète ou de ma religion ou de Jésus dans un grand fil de continuum. Je vais d'office laisser la place à d'autres explications et je vais être un peu plus éduqué au décentrement, c'est-à-dire laisser la place à l'argument de l'autre d'arriver. Donc ça, je crois que si on veut faire quelque chose sur le long terme, en fait plus de contenu de religion et des convictions et un peu de philo s'il vous plaît, et éducation au décentrement, et là on aura des résultats. Alors, Madame Faublet, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, pour embrayer sur ce que vient de dire François de Smet, que si on parle beaucoup de religion depuis 12 mois, c'est parce qu'on n'en a pas parlé assez avant et que justement, on est obligé de se demander ce que la religion a à voir avec ça, si elle a seulement un rapport avec les drames qu'on a connus? On n'en a pas parlé assez avant et c'est pour ça que maintenant on en parle trop et parfois à tort et à travers? Je crois que je vais en brancher un peu sur ce que disait François, parce que là, tu es déjà dans l'implémentation du prochain pas, c'est-à-dire comment est-ce qu'on introduit les enfants dans tant peut-être une croyance que dans l'ouverture à d'autres croyances. Je crois que ce qui nous surprend, c'est que j'apprends ici l'engagement démocratique, le libre marché. Nous avons des inscriptions dans nos constitutions de la protection de la croyance qui inclut la non-croyance et le droit de ne pas devoir croire. Et je crois qu'on avait acquis cela comme des libertés, mais on les avait acquis dans une société relativement homogène. Je dirais les tensions se limitaient entre peut-être ceux qui avaient encore cette adhésion à une religion majoritaire et ceux qui commençaient de temps en temps à demander qu'il fallait avoir plus de respect pour ceux qui ne croyaient pas. Et tout d'un coup, nous sommes interpellés par des religions qui viennent nous rappeler que notre espace public n'est pas si neutre, que notre calendrier des congés n'est pas si neutre et qui nous demande à pouvoir s'inscrire dans cette histoire. Et quelque part, quand on dit que la religion est devenue très discrète, non, mais nous ne la voyons plus et nous nous sommes habitués à une manière de s'exprimer qui ne dérange pas. Et tout à coup, nous voyons des personnes qui disent « nous vivons notre religion comme quelque chose de différent, avec un besoin qu'Okinakis leur donne raison, qui est un besoin de s'exprimer, n'ont pas envie d'être mutilés dans l'expression de leur religion, ne se sentent pas, empêcher d'exprimer qu'elles ne menacent pas nos démocraties, elles ont envie de participer à la démocratie, mais sans être les mutilées de leur identité religieuse. Et ça nous interpelle beaucoup. Et ça va nous obliger à faire des concessions, non pas des concessions, entrer dans le dialogue avec une manière différente de se voir et religieux et démocratique. Et ça nous interpelle dans beaucoup d'aspects de notre vie. Guerchère, pour terminer ce tour de table à vous trois, sur cette idée d'apprendre la religion, d'apprendre la philosophie, d'apprendre la religion entre soi, entre protestants, entre catholiques, entre gens qui n'ont pas de religion, entre musulmans, les apprendre tous ensemble, comment articuler ça? Est-ce qu'il faut le faire seulement? Parce qu'en France, finalement,
Il n'y a pas de cours de religion, non, est-ce qu'il en faut chez nous? Je voulais dire que moi j'ai toujours été, enfin, dans ma tradition, opposé à l'enseignement des religions et donc aussi de la morale non confessionnelle en tant qu'entité séparée dans l'école. Je pense d'abord que l'instruction religieuse n'a pas sa place à l'école publique et que, bien entendu, il faut que nous puissions parler des problèmes dont nous parlons maintenant à tout le monde et ne pas les réunir en fonction de leurs engagements religieux. Mais je voudrais réagir sur cette question de la religion, parce que je pense vraiment qu'il y a religion et religion. Bien sûr, c'est compliqué, la sociologie des religions. Mais je voudrais faire ici une différence assez simple qui, à mon avis, est pertinente pour les problèmes contemporains. C'est que on dit souvent la religion est en tension presque irréconciliable avec la démocratie, et alors ça ne marche que si on affaiblit la religion, si vous voulez. Les gens restent religieux, mais pas trop, parce qu'il y a une sorte de tension inéliminable. Je pense que c'est vrai pour une dimension de la religion, c'est-à-dire la dimension tu dois, tu ne dois pas, les ordres viennent d'en haut, ce sont des commandements, nous avons des textes que nous interprétons littéralement, et comme évidemment nous faisons partie d'un groupe religieux, eh bien les autres, ben, ils n'ont qu'à se soumettre parce que c'est notre Dieu qui dit la vérité, etc., etc. Il faut bien savoir que je ne caricature pas, ça existe au sein de beaucoup de courants religieux, et dans la renaissance du religieux aujourd'hui, c'est souvent extrêmement présent. Et ça, c'est un antagoniste avec la démocratie, parce que la démocratie, c'est la loi des hommes, c'est la loi du peuple, ce n'est pas la loi de Dieu. Et entre la loi de Dieu et la loi des hommes, si on l'interprète littéralement avec tu dois pas, etc., la tension est inéliminable. Alors, elle peut être résolue par une sorte de compromis, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les gens deviennent, ils pensent un peu moins à la religion, ils sont un peu moins religieux, ils sont plus religieux sociologiquement, etc., etc. Et alors, bon, ça tient ensemble. Maintenant, je pense qu'il y a une deuxième dimension. Je ne suis pas de ceux qui croient que fondamentalement il y a un antagonisme entre la religion et la démocratie. Je pense qu'il y a un antagonisme entre cette forme de religion que je viens de définir et la démocratie. Il y a autre chose dans les religions. Il y a autre chose dans tout ce qu'il y a dans l'histoire religieuse. Il y a de la spiritualité. Il y a des gens qui trouvent là-dedans de quoi, non pas du tout de quoi donner des ordres aux autres ou de croire qu'ils sont capables de connaître les commandements de Dieu et qu'il faut faire ceci, qu'il faut manger ceci, ne pas manger cela, se comporter comme ceci, porter cela, mais qui simplement y trouvent une ressource humaniste. Et de ce point de vue-là, mais c'est vrai, si vous prenez par exemple le christianisme, le sermon sur la montagne, le rapport aux pauvres, aux vulnérables, à la prostituée, à la femme adultère, etc., il y a toutes des choses qui peuvent motiver quelqu'un au fond à être plus ouvert au monde, et je pense qu'on peut le trouver dans toutes les grandes traditions, parce que sinon elle n'aurait pas duré, et que les penseurs de l'islam aujourd'hui, de l'islam des Lumières, Abdelwahab Medeb, qui est malheureusement mort il y a un an à peu près, tous ces gens-là essaient justement de refaire surgir cette tradition, alors que l'islam, il n'y a pas que l'islam, mais étant donné la situation contemporaine, l'islam est écrasé par cette première dimension de la religion que je viens de vous donner, et qui est présente évidemment dans toutes les religions. Elle est présente chez les juifs ultra-orthodoxes, elle est présente chez les fondamentalistes protestants, elle est présente chez les intégristes catholiques. La différence, et c'est ça notre problème, c'est que dans ces traditions-là, je dirais que la dimension spirituelle et à la fois modeste vis-à-vis de la citoyenneté de la religion est quand même relativement solide. Elle l'est moins dans le cadre de l'islam. C'est plus difficile d'être un musulman libéral pour des raisons qui sont des raisons historiques. Mais je voudrais qu'on ne mélange pas les deux, parce qu'avec ceux qui défendent une conception de la religion au sens 1, c'est-à-dire cette religion prêchi-prêcha, la bigoterie, Dieu l'a dit, j'interprète littéralement ce que je trouve dans un texte sacré que je ne comprends même pas dans son contexte, avec ça c'est très difficile, il y a véritablement un combat, c'est pas un combat physique, mais il y a vraiment un combat, parce qu'il n'y a aucune possibilité de conciliation possible entre ce type de littéralisme et l'ouverture démocratique. Et donc ce qu'il faut dire, que ce n'est pas anti-religieux, c'est une façon d'avoir un rapport à la religion, mais qui ne consiste pas à dire simplement, dès que les gens, parce que quand les gens ont un rapport à la religion qui est différent de ce qu'on connaissait, puisqu'effectivement on vit dans une société plurielle et qu'il y a des gens qui viennent d'autres horizons, ça n'est pas mauvais a priori,
Mais ça peut l'être si, dans une société dans laquelle la religion catholique a tellement longtemps été une religion de bigoterie et de pression, etc., d'inquisition même, bon, on est arrivé à ce que le meilleur du christianisme, quelque part, puisse exister, coexister avec d'autres gens. Si, pour l'islam ou pour une autre religion, c'est la mauvaise dimension de la religion pour des raisons historiques qui intervient, ben, il ne faut pas simplement commencer à dialoguer et à dire « nous allons avec vous faire des compromis » parce qu'il faut essayer de favoriser cette deuxième dimension que j'ai définie. Je peux rajouter juste un tout petit mot pour rebondir sur ce que dit Guy, et qui est très important, sur la tension que tu identifies, qui est effectivement très réelle. Il faut rajouter quelque chose, ce qu'on appelle le malaise de la modernité, la désécularisation du monde, le fait qu'il y a un hiatus en fait, entre la démocratie, qui est une invention superbe, qui garantit nos libertés, mais qui n'a pas ce côté de promesse, qui n'a pas ce côté peut-être un peu sexy qu'ont les religions et qu'ont les nations. C'est-à-dire ce qui vous promet une identité un peu clé sur porte, une communion possible dans ce monde-ci, parce que ça peut valoir pour l'extrême gauche également, ou le monde d'après, que ce soit le grand soir, que ce soit le paradis avec je ne sais combien de vierges, ou simplement la nation avec un guide qui vous amène quelque part. Et ça, c'est vrai que tous les êtres humains peuvent tomber dans ce choix-là difficile. La démocratie, c'est contingent, c'est fragile, c'est de la tuyauterie, c'est pas facile, ça marche pas à tous les coups, c'est le moins mauvais des systèmes, comme disait Churchill. Tout ce qui est identité clé sur porte, qu'elle soit prise donc forcément sans compromis avec la démocratie, qu'elle soit la nation, qu'elle soit la religion au sens pur ou autre chose, c'est la promesse. Et il y a quelque chose en l'homme, et c'est pour ça que parler de religion, en ce compris à l'école, qu'est-ce que ça éveille en nous, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une spiritualité, mais qu'on peut mener sans vouloir l'imposer à tout le monde, c'est si important, c'est parce que cette tension va rester. La démocratie, c'est l'acceptation de la contingence, et c'est pas facile. Et je crois qu'il y a un lien entre ce monde qui devient de plus en plus compliqué, je crois qu'il l'a toujours été, mais son chaos devient de plus en plus perceptible, et le fait qu'en vaste communiquant, les êtres humains sont parfois tentés de se replier sur des identités de plus en plus simples. Et effectivement, pour Héraclite d'Éphèse, en moins 600, quand il disait « on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », où il invite à se dire, parce que même si c'est le même fleuve, c'est plus la même eau, que tout est flux et tout passe, bah, un intégriste, c'est effectivement quelqu'un, quel qu'il soit, de quelque principe religieux ou national, de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est quelqu'un qui pense qu'on peut se baigner deux fois dans le même fleuve, qui a moyen de formater le monde à l'image même d'un livre ou d'une parole. Et c'est contre ça qu'il faut effectivement se battre. Je voulais rajouter, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que François vient de dire, mais je pense que ce qui est important dans ce qu'il a dit, c'est vrai que la démocratie, les droits de l'homme, c'est quelque chose de lent, de politique, il faut trouver des majorités, il faut respecter les droits, il y a des juges, ça ne fait pas rêver. Et en plus, effectivement, ça ne résout pas la complexité du monde quand il faut être tellement nombreux et se mettre d'accord. Et donc, c'est extrêmement difficile d'obtenir une sorte d'engagement spirituel radical. Et il y a un besoin de radicalité, et c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté. Parce que François avait tout à l'heure de la parole de... C'est Olivier Roy, je crois, qui a dit, bon, il y a certes une radicalisation de l'islam, puisqu'on parle de ces mouvements radicaux, il y a aussi une islamisation de la radicalité. Ces gens qui partent en Irak et en Syrie, ils ne vont pas combattre seulement pour un territoire, le territoire du califat, ils vont combattre pour une idée complètement absurde, mais qui est une espèce d'idée générale d'émancipation mortifère et nihiliste, quelque chose comme ça. Et ce que nous devrions faire pour essayer de parer à cela, il y a eu aussi un certain moment, au XXe siècle, les grands totalitarismes, c'était des religions séculières, c'est-à-dire qu'il y avait ce même type d'investissement, de simplification, de bon, de mauvais, de sauvé, de damné, mais ça se passait sur Terre, ou ça se passait dans l'histoire, ou ça se passait du point de vue de la race, et il y avait de quoi, bon, les gens se shootaient à l'idéologie, à la religion séculière ou à la religion tout court. Et effectivement, essayer de réinvestir les valeurs de la démocratie, c'est-à-dire avoir un espoir, avoir quelque chose qui peut être radical dans la volonté de transformation,
tout en acceptant de respecter cette lourde machine, je trouve que c'est ça l'enjeu de notre époque. Parce qu'il y a toujours eu la tentation du court-circuit. Et la tentation du court-circuit qu'on trouve là, c'est de dire, si on veut changer les choses, s'il y a des choses insupportables, on ne va pas attendre d'avoir une majorité de gens qui sont peut-être ignorants ou lents ou pas conscients, et on ne va pas devoir respecter les droits de tout le monde parce qu'il faut aller plus fort. Et là, je pense que c'est très, très, très grave. Nous n'avons peut-être plus aujourd'hui les ressources, quand on voit les discours d'un côté djihadiste, de l'autre populiste avec leur simplification, etc., les ressources de dire il y a une radicalité qu'on peut investir dans la démocratie elle-même. Et ça, c'est un enseignement très très important à faire. On a d'ailleurs dit qu'il faut faire un enseignement sur la citoyenneté et sur les religions, etc. L'enseignement sur la citoyenneté, là, est tout à fait central, à mon avis. Je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de liberté d'expression et d'humour aussi. On dit souvent que l'humour, c'est une soupape de décompression, que c'est une saine manière d'insuffler un peu de légèreté dans le débat public. Depuis quelques temps, on remarque quand même que l'humour vient justement peut-être raidir ce débat public et qu'au lieu d'être un commentaire sur l'actualité, il devient l'actualité parce qu'il a choqué, parce qu'il a été mal compris. Les humoristes qui continuent à refuser le religieusement correct, les caricaturistes qui refusent le politiquement correct, à votre avis, ce sont des irresponsables et des fauteurs de troubles à une époque où on nous demande de plus en plus de faire des accommodements raisonnables en matière de discours dans les médias? Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour quelqu'un. Je veux bien lancer, si, sauf si Marie-Claire. Ce qui est frappant, c'est est-ce que c'est un changement d'époque ou est-ce que c'est un changement de contenu? On va souvent chercher des proches aujourd'hui dans ce genre de discussion pour essayer de comprendre quelle est la différence avec Dieudonné. Parce que bon, des gens qui vont soutenir Dieudonné vont dire, mais enfin, de proches disaient des horreurs aussi et ça ne posait pas le même problème. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que quand des proches pouvaient commencer un sketch en disant est-ce qu'il y a des juifs dans la salle, ça faisait rire tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune chance, et ils le savaient, que qui que ce soit qui soit dans la salle et qui vienne écouter et qui rigole soit antisémite. Quand Dieudonné fait la même chose, on sait qu'il flatte une partie de son public qui est antisémite et qu'il flatte ça. Mais c'est très difficile d'essayer de ne pas justifier l'un pour l'autre. Et donc, je crois que l'humour reste précieux. On doit pouvoir rire de tout. Peut-être, et s'il y a un problème après qu'on est poursuivi, il y a des lois qui existent, celle de l'incitation à la haine raciale et celle de l'incitation à la discrimination. Et c'est toujours, et je trouve ça important, même dans le cadre de Dieudonné et d'autres, que ça se passe toujours a posteriori, qu'on ne fasse pas de censure, qu'on laisse les gens s'exprimer, et s'ils font de l'incitation à la haine, eh bien, qu'on les poursuive, qu'on les mette à l'amende. La différence de peut-être du monde qui est le nôtre, c'est aussi que on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, disaient des proches, mais qu'aujourd'hui, on est tout le temps avec tout le monde. Quand Harakiri ou Charlie Hebdo faisaient ses dessins dans les années 70 ou 80, ça touchait quelques milliers d'abonnés ou de lecteurs. Aujourd'hui, ils font les mêmes et ça peut se retrouver au Yémen en deux clics de souris. Et donc forcément, ça ne génère pas du tout les mêmes choses. Le dessin sur le petit Thaïlande, en une matière sur la migration que je connais bien. La liberté d'expression, c'est à la fois de pouvoir faire ce dessin et de le trouver choquant et de ne pas l'aimer. Mais à quoi ça sert d'aller l'envoyer au père du petit Thaïlande et d'aller filmer sa réaction? Le but n'était pas évidemment de se moquer des migrants. Il y a tout à fait moyen de comprendre ce dessin en se disant c'est le public qui est ambivalent par rapport à la migration. De temps en temps, il trouve ça. Il est attendri par un petit garçon noyé, habillé à l'occidental, et en même temps, il y a des faits divers qui vont dans l'autre sens. Et donc, Je trouve qu'on peut effectivement rire de tout. Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas se demander, qu'on n'est pas autorisé à se demander sans faire de l'autocensure, est-ce que ce que je vais apporter dans le débat, comme humoriste, comme intellectuel, quoi que ce soit d'autre, va apporter quelque chose? J'ai le droit de tout dire, mais est-ce que si je mets à insulter tout le monde ici, est-ce que c'est l'idée du siècle? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que ça va servir au débat? Mais alors là, c'est cultiver l'intelligence des gens, et pour rebondir sur quelque chose qui a été dit, peut-être qu'en fait, et l'humour est peut-être le bon sujet là-dessus, on doit commencer à essayer de sortir de la catégorie du droit. Je dis ça parce que je sais que j'ai deux juristes autour de moi en partie. Faire, ne pas faire, interdit, pas interdit, poursuivre, pas poursuivre. On ne va pas s'en sortir si on reste juste dans ces catégories-là. Je peux avoir le droit de dire des tas de choses. Est-ce que c'est à chaque fois la meilleure idée du siècle de le dire? Surtout si je me retrouve à dire, je vais le dire justement parce qu'on prétend ne pas le dire. Ben oui, mais est-ce que ça a quand même une utilité de le dire? Oui, on peut tout dire. S'il faut censurer, s'il faut revenir sur quelque chose, ça ne doit pas être de la censure, ça doit venir après. Et puis, interrogeons-nous à chaque fois sur les circonstances. Quand on poursuit Dieudonné avec raison, c'est sur une accumulation de choses. Moi, je suis saisi quand même, et je termine avec ça, sur le fait que n'importe qui
pourrait craindre d'être poursuivi parce qu'il a, il a dérapé une fois un jour sur Facebook, comme il profère une insulte au volant. Non, ce qu'un juge doit faire, c'est est-ce qu'il y a une ligne ? Est-ce que dans son rapport vis-à-vis de l'autre, on décèle une haine antisémite ou anti n'importe quoi qui est patente et qui donc constitue l'appel à la haine ? Rappelons qu'il est permis d'être raciste ou antisémite. En votre fort intérieur, vous pouvez avoir n'importe quel corpus d'idées, aussi scandaleux, vous pouvez croire au raélien, vous pouvez croire au schtroumpf. L'interdiction, et c'est pour ça que le slogan « le racisme n'est pas un délit, est un délit », moi, je l'aime pas trop. La vraie infraction, c'est l'appel à la haine et à la discrimination. C'est votre responsabilité, dès que vous avez une prise de parole publique, de savoir que nous avons tous des cerveaux relativement contaminables, faibles, et que quelque chose qui va être répété 1000 fois, il faut jeter tous les Juifs, les Arabes, les Belges à la mer, risque un jour d'être exécuté par des gens. Et cette éducation-là, la loi ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut penser de positions de caricaturistes comme Philippe Geluck ou Plantu qui, peu après les attentats du 7 janvier dernier, ont décidé d'adopter une posture de prudence, en tout cas, qu'ils estiment plus responsable, de faire un pas de côté, de ne pas participer à la communion nationale et internationale autour de la liberté d'expression. Est-ce que ça vous évoque un commentaire, Guy Archer, par exemple ? Les humoristes, l'humoriste et l'humour, c'est un phénomène social et chacun a parfaitement le droit de discuter, de critiquer la place qu'occupent les humoristes. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Est-ce qu'il est normal que les humoristes aient une telle importance aujourd'hui dans les médias? Est-ce que cette dérision permanente est bonne pour la démocratie? Ça, ce sont des questions que nous nous posons tous. Ça n'a rien à voir avec la justice ni avec l'interdiction, etc. C'est à voir, est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on considère que c'est bon? Est-ce qu'on plaiderait pour une autre manière de faire de l'information, etc., etc. Pour ce qui est maintenant de ce qui nous concerne, c'est-à-dire Charlie, etc., nous vivons quand même dans une époque dans laquelle des dessinateurs impertinents, qui faisaient des dessins qu'on aimait, qu'on n'aimait pas, on pouvait ne pas aimer le style, on pouvait ne pas en aimer certains, ben ça fait partie, évidemment, chacun a le droit de le dire, et a le droit de l'écrire, etc., mais que ces gens-là se font sauvagement assassiner. Et ils se font sauvagement assassiner parce que depuis des mois, depuis des années, circulaient des appels au meurtre, tout simplement. Et que si, par exemple, vous parlez de Mein Kampf, puisque il y a tout ce problème de la republication de Mein Kampf avec des commentaires, etc., mais si vous allez sur Google et vous tapez Mein Kampf, vous trouvez Mein Kampf en vente bien avant décembre, vous le trouviez, et c'est pas simplement sur un site qui est un site peu recommandable, c'est sur Amazon et vous pouvez l'acheter. Et il paraît que ça se vend très bien. Donc, je veux dire, ce type de discours, qui sont des discours mais haineux, des discours absolument insupportables, bon, ben, ça circule. Bon. Et l'impertinence de journaux comme Charlie Hebdo fait en sorte que ces gens-là sont sauvagement assassinés. Alors, je sais bien que tout le monde est contre cet assassinat, mais ce que je sais aussi, c'est qu'après les manifestations de janvier, on a commencé à ne plus être tellement Charlie et à dire, effectivement, est-ce qu'il faudrait faire cela. Je pense que cela n'a pas de sens. Si l'on est Charlie, il faut être Charlie jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'on doit aimer tous les dessins, encore une fois. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du Charlie Hebdo, parce qu'il faut qu'il y ait cette impertinence vis-à-vis des idées. Parce que ce qu'ils attaquent, Charlie Hebdo, moi je crois, c'est la première dimension de la religion, celle dont je vous ai parlé. C'est la religion qui s'identifie à un pouvoir, à une oppression, à une inquisition et des choses comme ça. Je n'ai pas vu, mais peut-être que je ne connais pas suffisamment tous les dessins de Charlie Hebdo qui se moquaient d'un croyant ordinaire ou de quelqu'un qui pratiquait la spiritualité ou d'un soufi. Ils s'attaquent à cette autre dimension, comme ils s'attaquent au Front National, comme ils s'attaquent aux autorités, etc. Ça me semble non seulement nécessaire, mais ça me semble vital dans une démocratie que ça existe. Maintenant, pour reprendre ce que disait François, il y a des questions d'opportunité parfois. Donc, si ça doit exister en démocratie, enfin, prenez Le Monde, prenez Plantu. Plantu faisait, il fait toujours des dessins en première page du Monde. Et avant, on publiait, à la fin de l'année, je pense une fois par an, une page qui était l'enfer de Plantu. L'enfer de Plantu, c'était le dessin que Plantu était venu en comité de rédaction, il les avait proposés, on les avait refusés en disant, bon, pour une première page, c'est quand même trop loin. C'est tout à fait normal, c'est une politique éditoriale. Ça, c'est la question de l'opportunité de dire à certains moments, est-ce qu'il ne faut pas essayer quand même d'agir autrement? Ça, c'est une question personnelle, de jugement, politique, Et ça se discute parce que si le fait de, je parle de Plantu et de Geluck, si ne pas
dessiner des choses qui sont des choses trop sensibles et fait dans un esprit de responsabilité parce qu'on veut établir des contacts, qu'on ne veut pas trop choquer tout en soutenant ceux qui ont le droit de choquer, c'est très bien. Si on le fait parce qu'on a peur des réactions, qu'on trouve qu'on devrait le faire mais qu'on ne le fait quand même pas, alors on est sur la pente glissante de l'autocensure, de la peur et de la victoire de tous ceux qui veulent nous terroriser. Marie-Claire Faublet, est-ce qu'il est acceptable de brider sa liberté d'expression pour ne pas heurter la sensibilité des croyants? Mais j'aimerais prendre une entrée un peu plus large après avoir écouté attentivement mes collègues. Je me mets dans une position d'une communauté qui n'est pas une communauté, mais qui sont des communautés venant de partout dans le monde et qui sont alors englobées dans l'islam, qui sont déjà des mouvances très différentes, des communautés qui ne se sont jamais rencontrées dans une société et qui tout à coup se trouvent engagées dans un jeu de la démocratie. Alors je crois qu'il ne faut pas non plus occulter les relations de pouvoir. Ce sont des communautés qui sont arrivées ici il y a à peu près un demi-siècle et qui doivent s'inscrire dans cette histoire de protection de la liberté et nous font constater que ce que nous avions cru acquis n'est pas aussi acquis que cela. Et je ne sais pas si Jean Bobéreau est encore dans la salle, mais je prends de lui depuis plusieurs années cette sagesse profonde que la laïcité n'aura retrouvé tout son sens que lorsqu'on aura combattu toutes les discriminations. Et je crois que c'est là que nous n'avons pas suffisamment d'empathie pour des communautés qui se fraient un chemin, qui ne sont pas un pilier, qui ne sont pas un pouvoir, qui n'ont pas leurs propres écoles, qui doivent chercher ce chemin dans nos sociétés tout en étant très diverses en interne et, comme tu le disais toi-même, qui n'ont pas de porte-parole qui peut prendre la parole et qui font des constats d'incohérence de notre part. Qui protégeons-nous? Nous avons protégé les religions, il y avait des lois sur le blasphème, la commission de Venise a dit abandonnons les lois sur le blasphème parce qu'elles sont anachroniques, on protège certains plus qu'on en protège d'autres. On a les lois sur le négationnisme parce que nous avons notre propre passé, bien sûr. Nous avons maintenant les lois antiracistes et il est évident que nous soyons beaucoup plus sensibles à des raisonnements, des comportements qui excluent certains pour des critères qui ne sont pas des critères. Nous avons maintenant une loi sur le sexisme. Donc on commence à évaluer différemment les composantes de l'identité de la personne humaine. Pour nous, la religion, elle pèse moins. C'est notre histoire. C'est notre histoire de démocratisation de l'identité de la personne. Et tout à coup, des personnes qui ne sont pas ici depuis même 3 décennies, on leur demande de participer à ce jeu de communication alors qu'on sait que les discriminations structurelles sont là. Allez voir en matière de chômage, allez voir dans les universités. Tout doucement, ces communautés se frayent un chemin. Mais elles n'ont pas encore leur porte-parole qui peuvent participer à cette parole libre comme ici. Je vous défie, elles ne sont pas nombreuses dans cette salle-ci. Ces personnes ne sont pas encore là pour parler de cette manière sophistiquée. Est-ce que je peux me moquer de toi ou pas ? Et qu'elles réagissent d'une manière un peu étonnante. Et nous allons directement qualifier ça de radicalisation. C'est peut-être nous qui ne réfléchissons pas assez par rapport à nos propres inconsistances, incohérences. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, vous écriviez quelque chose où vous montriez des caricatures dans un journal. Bon, ça risquait de choquer les lecteurs, il y a des gens qui se seraient peut-être désabonnés, etc., etc. Maintenant, avec Internet, ça circule plus vite. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas faire un acte de volonté pour aller sur un site. Il y a des tas de sites sur Internet qui sont abominables, et djihadistes, et tout ce que vous voulez, et aucun d'entre nous n'est allé voir les décapitations et des choses comme ça. Il faut encore faire un geste, il faut un acte de volonté, mais je reconnais que c'est beaucoup plus facile de transmettre les choses. Maintenant, si un musulman n'a pas envie de se trouver face à un dessin, ou un chrétien, face à un dessin qui pratique la dérision vis-à-vis de ce à quoi il tient fondamentalement, je le comprends tout à fait et c'est son droit. On n'a pas le droit de harceler les gens. Donc, je dirais, il y aurait par exemple une représentation d'une pièce des versets sataniques de Salman Rushdie, ou de la pièce Le prophète Mahomet, ou Le fanatisme de Voltaire, et on le ferait dans le métro,
eh bien, je serai contre, parce que je pense qu'il y a dans le métro des gens qui passent par là, non pas par acte de volonté, comme vous qui venez ici dans une salle pour écouter quelque chose, qui sont là parce qu'ils doivent aller au travail, et qu'il y a, je ne dis pas que l'espace public doit plaire à tout le monde, c'est pas possible, mais qu'il y a peut-être un argument là pour qu'on soit peut-être un peu plus respectueux, je pense. Mais dans une salle de cinéma où personne n'est obligé d'aller, une pièce de théâtre que personne n'est obligé d'aller voir, un journal que personne n'est obligé d'acheter, eh bien, il faut pouvoir accepter que la bonne réaction, ça consiste à dire ça je ne le lis pas, ça je ne l'achète pas, ça je n'en veux pas. Alors vous allez me dire, pour quelqu'un pour qui la foi est tellement centrale, même si ça se passe ailleurs, même s'il ne le voit pas, le fait qu'on le lui dise est suffisant. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que nous vivions à plusieurs dans une société pluraliste où il y a une dimension de citoyenneté, il est nécessaire que nous prenions une distance et que nous acceptions qu'il y ait une dérision vis-à-vis de ce à quoi nous croyons, parce que sans cela, vous allez avoir des groupes qui seront homogènes, fermés sur eux-mêmes. Et ce que dit Marie-Claire Foblet sur les discriminations, mais oui, moi je pense qu'il faudrait, si on pouvait d'abord lutter contre les discriminations, le racisme qui existe quand même, il y a des partis populistes qui font 20 ou 30%, enfin tout à fait, si on pouvait donner du travail dans une société où les États ne maîtrisent quand même pas l'offre de travail, étant donné toutes les transformations qui sont les nôtres, mais oui, il resterait quand même que nous devrions nous poser la question de notre enseignement, de la manière dont nous devrions parler de la religion, et que de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire la clarification dont j'ai parlé tout au début. Eh bien justement, il reste une petite dizaine de minutes pour conclure ce débat, et je pense que Guercher a remis le débat vraiment sur sa thématique, c'est comment parler de la religion. Moi j'ai envie de resserrer le tir et de vous demander comment parler de la religion à l'école, puisque tout commence là. Quelque part, l'ascenseur social de l'école, la vertu de l'école de faire des citoyens n'est plus à démontrer. Mais comment est-ce qu'on en parle à l'école? Tout à l'heure, Guy Archer a un peu évoqué le sujet et puis la discussion est partie sur une autre voie. Est-ce qu'on en parle tout simplement? Est-ce qu'on n'en parle pas? En France, on renvoie ça dans les familles, au fort intérieur, à la mosquée, au temple ou à l'église, au catéchisme. Est-ce qu'on en parle tous ensemble? Est-ce qu'on en parle chacun entre soi, entre gens qui partagent la même foi? Comment faire pour bien faire, François de Smet? Je suis d'accord avec Guy là-dessus. L'éducation religieuse stricto sensu ressort du domaine privé. Et d'ailleurs, vous avez tout à fait le droit de donner, en dehors d'un cadre scolaire, une éducation religieuse à vos enfants. Mais la scolarité devrait être, et elle ne l'est pas aujourd'hui, cet endroit où on est un peu forcé de se supporter les uns les autres, l'occasion d'avoir des enfants qui viennent de toutes les cultures, de toutes les religions, si possible dans un monde où des quartiers seraient un peu plus mixtes également, mais où vous avez au moins une chance que les enfants suivent tous le même cours de philosophie et d'histoire des religions, parce que, qu'on soit croyant ou pas, les grands monothéismes, mais aussi les religions orientales, tout cela fait partie du bagage de l'humanité. Je crois que ça provoquerait, si chacun à 18 ans savait, comme je disais tout à l'heure, ce que c'était que le Yom Kippour, les cinq piliers de l'islam ou l'évangile, déjà ça relativiserait, ça décrisperait un certain nombre de débats, ça ferait prendre conscience aussi, ça briserait peut-être ce lien entre la religion et l'identité qu'il faut défendre, et donc les questions socio-économiques, on est discriminé par ailleurs, et donc on prend la religion ou l'identité dans laquelle on surinvestit comme par avant, ça décrisperait beaucoup de choses, parce que pour l'instant, c'est ce qui arrive, si vous expliquez à votre enfant que s'il mange du porc, il va aller en enfer, qu'il soit juif ou musulman, ou si on peut prendre d'autres exemples, forcément, inévitablement, vous induisez une idée de supériorité sur tous les mécréants ou tous les autres qui le font et qui n'ont pas peur d'aller en enfer et donc qui sont forcés, qui quelque part valent moins bien que vous. Et si vous ne confrontez pas ça, petit, en dissociant la religion d'identité ou en montrant que la religion, comme on l'a montré tout à l'heure, est plus compliquée qu'un rapport à un dieu précis, mais qu'il y a des rituels, qu'il y a une communauté qui veut se reproduire, qu'on fait des rituels et qu'on les reproduit aussi pour être en communion avec des ancêtres ou avec des gens qui vont suivre les mêmes rituels après, on ferait une grande économie, je crois, de temps. Ça résoudrait pas tout, mais à long terme, ça résoudrait ou ça calmerait tellement de choses, parce que c'est aussi comme ça qu'on œuvre au décentrement, c'est-à-dire l'idée, peut-être que si je sais qu'il y a plusieurs religions et convictions disponibles, je vais moins prendre comme une agression
tout mouvement, qu'on soit athée, croyant ou autre, tout mouvement d'une expression, d'une religion ou d'un mouvement qui soit vestimentaire ou de parole, je ne vais peut-être pas le prendre comme une agression visant à me détruire ou à m'imposer quelque chose, mais juste être une expression qui n'est peut-être que ce qu'elle est. Ça, à mon avis, c'est le chantier que nous avons. Il est à moitié commencé, mais après combien de circonvolutions, après un arrêt de la cour d'arbitrage, un peu forcé par les événements, on ferait mieux de faire ça plutôt que de faire d'énième assise, à mon avis, de l'interculturalité. Ce serait plus efficace. Madame Faublet, comment parler de la religion à l'école? Faut-il seulement en parler, à votre avis? Je crois qu'il faut préparer les jeunes à savoir comment ils en parleront plus tard, c'est-à-dire qu'ils devront prendre la responsabilité de leur identité. Et je crois que nous resterons des démocraties libérales si chacun sait prendre la responsabilité de l'identité qui est la sienne. Et que ce soit dans une croyance profonde ou que la religion devienne de plus en plus un démarquage identitaire, nous avons un droit, vous y avez fait référence, je dirais très brièvement, peut-être trop brièvement, c'est cette espèce de terrain d'expérimentation à propos des accommodements raisonnables. Qu'est-ce que c'est l'accommodement raisonnable? C'est « je te demande de respecter une composante de mon identité et nous allons négocier et voir où est le critère du raisonnable. Je n'ai pas le droit, en quelque sorte, moi comme employé, de te faire perdre dans ton entreprise. Je ne veux pas te faire dysfonctionner, mais je te demande le respect de mon identité. » Et on est vraiment pas loin là-dedans. C'est là que l'éducation devra se faire, parce que c'est dans la négociation des identités que nous deviendrons vraiment des démocraties plurielles dans le sens profond. Et plutôt que de nous soucier de la protection de notre droit à la dérision, je crois que nous devons être vraiment soucieux du droit à la participation. Et une fois que quelqu'un se sent reconnu, alors la dérision devient dérisoire. Mais quelqu'un qui ne se sent pas reconnu, je vous défie, c'est une personne qui se sent blessée. Et quand on a lu les débats sur le sexisme, ce sont des femmes blessées. Et elles ont le pouvoir, elles ont le lobby dans nos parlements, et elles ont poussé la loi jusque, et peut-être qu'on peut le regretter, parce qu'on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne se respecte pas un peu mieux? Pourquoi la femme a été si sensible? Eh bien, il y a beaucoup de minorités qui se sentent très blessées par ce droit à la dérision, parce qu'elles ne participent pas. Apprendre les citoyens à négocier leur identité, c'est apprendre à prendre sa responsabilité également pour son identité religieuse. Et je crois qu'il y a responsabilisation des deux côtés. Donc, les accommodements raisonnables, c'est à part du principe que pour obtenir l'égalité, il ne faut pas traiter tout le monde de la même façon. Non, mais je crois qu'on en sait finalement très peu, parce qu'il y a énormément d'accommodements dans les endroits de travail, dans les écoles, mais tout cela se négocie dans le raisonnable. Je crois qu'on devrait donner beaucoup plus de visibilité à tout ce qui s'est déjà négocié avec un certain succès et qui requiert qu'on ait connaissance de ces accommodements pour être aussi beaucoup plus assertif lorsqu'on est soi-même dans cette position-là. C'est donner un petit peu de l'assurance à ces personnes qui doivent négocier leur identité. Et je crois qu'aussi longtemps que le critère du raisonnable est là, il y a deux risques. C'est que ce n'est pas très transparent, parce que qu'est-ce qui est raisonnable dans une négociation ne l'est pas nécessairement dans l'autre. Et bien évidemment, c'est chaque fois un travail à faire sur la relation à engager avec quelqu'un. Mais c'est ça la démocratie, je crois. Guy Archer, là on est beaucoup plus loin qu'une histoire de religion, une étude des grands textes, une eschatologie. Là on est, il faut apprendre à connaître l'autre, y compris dans ses tabous et dans ses... Dans ce qui lui tient à cœur, dans le noyau, est-ce que ça doit se travailler à l'école, ça, pour vous? Ah oui, je pense que ça doit se... Je ne veux pas parler de la problématique des accommodements raisonnables, qui est une autre question, c'est une longue question, enfin, qui est liée, puisque ce sont des demandes qui sont des demandes souvent émanant de groupes religieux. Mais ce qui est important et ce qui m'a frappé, je voudrais insister là-dessus. Rappelez-vous, quand on a demandé, après les attentats de Charlie, ceux de janvier, on a demandé aux gosses de faire une minute de silence dans les écoles. Hein, peut-être, ça a été fait maladroitement. On l'a fait en France, on l'a fait en Belgique. Certains gosses ont refusé. Ils n'ont pas voulu le faire. Et on s'est demandé un petit peu pourquoi. Alors, il y a évidemment, donc, pour essayer de dépasser ça ou de répondre à la question, on se dit, ben, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils se connaissent un peu les uns les autres. Hein, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'il y a d'autres religions et puis ça leur permet de relativiser les points de vue. Mais je ne voudrais pas qu'on en reste à une question de religion comparée, parce qu'on ne vit pas dans une société démocratique en accumulant des groupes les uns à côté des autres, même s'ils se respectent, ce qui est déjà mieux que le cas dans lequel ils se tapent les uns sur les autres. Ce qu'il faut, c'est créer les conditions d'une citoyenneté, c'est-à-dire d'une appartenance qui soit supérieure à ces communautés. Et de ce point de vue-là, ce qui est très dangereux, c'est qu'ils vivent dans des mondes différents.
J'ai lu des articles, les gosses sortent de l'école, ils ont une méfiance fondamentale, et on peut le comprendre évidemment dans leur situation, mais fondamentale vis-à-vis des discours officiels, vis-à-vis des médias. Ils rentrent chez eux, ils vont sur des sites internet complètement complotistes qui leur disent que tout s'est passé extrêmement différent, que c'est pas couaché, etc., etc. Ils ne demandent pas beaucoup de preuves, ils l'acceptent là très vite parce que quelque part ils retrouvent cette espèce de dimension un peu manichéenne, et ils vivent dans un monde différent. C'est pas simplement qu'ils ont des valeurs différentes, c'est qu'à la limite ils ont des faits différents, et ils vivent dans un monde différent. Et ça, pour retisser ça, c'est quelque chose de très difficile. Et j'ai l'impression qu'au-delà de cours de citoyenneté ou de religion comparée, il faut, je plaide un peu pour ma chapelle, pour notre chapelle, il faut qu'ils fassent de la philo. C'est-à-dire, il faut leur apprendre la pensée critique. Et effectivement, si on leur parle tout de suite, dans certains milieux, si vous parlez des musulmans, il faut le faire, mais le drapeau du préjugé est là. Hein. Bon, c'est difficile, hein. Vous mettez le doigt sur la blessure. Dans d'autres milieux, malheureusement, si vous parlez des juifs, il y a du travail à faire pour que les gens n'agissent pas ou ne réagissent pas en fonction de leurs préjugés. Et si vous commencez à parler des philosophes grecs, ou de, je ne sais pas, Voltaire, voulant sauver l'affaire Calas, ce protestant qui avait été condamné en France, peut-être qu'il se dirait, il n'y aurait pas le drapeau du préjugé, parce que, après tout, Socrate, c'est des Grecs, etc., c'est autre chose, ce ne sont pas les problèmes contemporains, et petit à petit leur apprendre que l'établissement des faits, c'est important, que quelqu'un de condamné injustement par préjugé, c'est pas bien non plus, etc. Et vous pourriez les former en leur faisant faire un détour par la philosophie. Et donc, ce dont j'ai parfois peur, c'est que ce cours de citoyenneté pour tout le monde soit un petit peu un cours mou dans lequel on perdrait ce qui était la qualité de l'enseignement de la morale non confessionnelle, mais le défaut, c'était que c'était enseigné qu'à quelques-uns. Et j'aimerais bien, et c'est pas du tout anti-religieux, pas du tout, c'est pas une question de d'athée ou de laïque, c'est une question d'apprentissage de la pensée critique, parce que je pense que c'est ça qui peut nous relier les uns aux autres. Eh bien, je vous propose de conclure là-dessus, sur ce très beau plaidoyer pour la philosophie. Merci à tout le monde.